Les épaves constituent souvent un habitat artificiel où se développe une vie foisonnante et exubérante. Ce phénomène d'agrégation de la vie sous-marine est bien connu des pêcheurs, des plongeurs et des chasseurs sous-marins. Mais la chasse sous-marine sur les épaves profondes est réservée à des apnéistes hors normes. On parle ici d'incursions entre 40 et 60 mètres sans assistance respiratoire, avec des apnées qui peuvent durer 4 minutes. On comprend alors toute la difficulté d'une telle entreprise. Mais lorsqu'on est champion du monde d'apnée et animé par la passion de la chasse, l'objectif devient réaliste. En suivant Pierre Frolla et Stéphane Mifsud entre Monaco et les îles du Levant, nous allons découvrir cette chasse extraordinaire sur les épaves. Pierre Frolla est né et a grandi sur les rives de la Méditerranée, à Monaco. À 34 ans, c'est un sportif accompli. Il a enchaîné plusieurs records du monde d'apnée au début des années 2000, avant de se retirer du circuit de la compétition. Il continue d'entretenir sa forme physique en pratiquant de nombreuses activités sportives, sans jamais perdre de vue l'univers du Grand Bleu où il a trouvé son épanouissement. Retour sur son parcours. 99, 2000 et 2001, j'ai 3 records du monde en immersion libre. J'ai pris une année sabbatique en 2003 où en fait on a participé au championnat du monde par équipe, notamment avec Stéphane Mifsud et Guillaume Néry. On a gagné à Chypre. Et en 2004, j'ai clôturé ma carrière en faisant 123 mètres en poids variable, descendre avec une gueuse et remonter par mes propres moyens. J'ai eu la chance au sein de mon équipe, ils m'ont très vite préparé à ma reconversion, à mon futur. Pour moi, à 22, 25 ans, ce qui comptait c'était d'être le meilleur et basta. Et très vite, ils m'ont dit non, il faut penser à l'avenir. Donc le deal que j'avais avec eux, c'est que j'avais le droit de m'entraîner, j'avais le droit de faire un peu ce que je voulais en grande profondeur, à la rigueur prendre des risques, à partir du moment où j'assurais ma reconversion. Et donc depuis 2001, je dirige une école qui s'appelle l'École Bleue à la plage du Larvoto. On travaille principalement sur le plongeur enfant et le plongeur débutant, aussi bien en plongée libre qu'en plongée bouteille. Notre objectif principal, c'est la sensibilisation à l'environnement, à la découverte de la faune et de la flore en Méditerranée. Puis en 2006-2007, j'ai voulu reprendre la compétition et me réentraîner pour le No Limit. C'était une discipline dont j'avais aucun titre et je me sentais capable de pouvoir rivaliser avec les plus grands, dont Loïc Leferme, justement. Et puis j'ai arrêté ma progression le 11 avril lorsque Loïc est mort à l'entraînement. Et ce qui m'a fait comprendre plusieurs choses, et notamment qu'on n'avait qu'une vie et que ce qu'on avait fait, on l'avait déjà fait et qu'il y avait encore plein de choses à faire. Donc il fallait être capable à un moment de trancher directement dans le vif. Trancher dans le vif, voilà qui en dit long sur Pierre Frolla. Derrière cette expression, il ne dissimule pas que la décision de stopper la recherche de ses limites sportives a été douloureuse. Pierre Frolla a su rapidement tourner la page une fois cette décision prise pour aborder sa nouvelle vie avec bonheur. Aujourd'hui, dans son école bleue, il transmet son expérience, son savoir et amène les autres à se dépasser tout en continuant pour le plaisir à flirter avec les abysses et s'adonner chaque fois qu'il en a le loisir à la chasse sous-marine. Mon père, il faisait partie de l'équipe de chasse sous-marine de Monaco jusque dans les années 73-75. Et tout petit nous a initié à la chasse sous-marine, donc avec mon frère. Je descendais pas profond, notre objectif c'était d'attraper des poules, des poissons, et on faisait l'école buissonnière avec mon frère dès le mois de mai. On partait à la pêche tout le temps. Et c'est que plus tard, aux alentours de 15-16 ans, que j'ai commencé à comprendre que la chasse sous-marine ça me plaisait, mais ce qui m'intéressait c'était de descendre de plus en plus profond. Je crois que dès 88, à la sortie du Grand Bleu, 88-89, je me suis senti vraiment attiré par le fond. Et naturellement, j'ai commencé à essayer de descendre de plus en plus profond pour attraper des poissons de plus en plus bas. Je ne me vois pas vivre sans pratiquer la chasse sous-marine. Par contre, à partir du moment où je vais chasser, revenir sans poisson ne me dérange pas du tout. Tous mes voyages, maintenant que je suis à la retraite, ils sont orientés vers la chasse sous-marine. Il y a très peu de destinations que je choisis où je n'ai pas l'opportunité d'aller essayer d'attraper des poissons. Par contre, les choix sont vraiment très déterminés, à savoir des zones très poissonneuses, très profondes, avec peu de courant. Mais si je prends pas de poisson, c'est pas grave. À l'image de ce que je peux faire au large de Monaco, où quand j'aime pêcher très profond avec mon équipe, mes amis, on va au-delà de 50 mètres, on prend un poisson sur 10 sorties, quoi. Mais l'objectif, c'est de descendre profond. Les épaves au large de Monaco, il y en a que deux, une à 57 et une à 60. Donc ce sont deux avions.
Donc un Catalina et un Henkel. Un Henkel, c'est un bombardier allemand qui est au large de Menton, en fait. Ce sont des épaves qui ne sont pas très riches en poissons. On peut faire de belles rencontres, c'est amusant, mais c'est plus le jeu de dire descendre très 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 profond et essayer de chasser les pélamides à plus de 60 mètres. Hein. J'ai déjà amené mon arbalète à 70 mètres en gueuse, mais ça nécessite vraiment une logistique spécifique, un entraînement très très spécial. Pour chasser à ces profondeurs, il faut s'entraîner énormément en apnée. Je pense que c'est du domaine des apnéistes qui font de la chasse sous-marine. Parce que le chasseur sous-marin, même très profond, hein, si... déjà, il n'y a pas d'intérêt à aller à ces profondeurs, tu te grilles, c'est plus un jeu. Et puis, il y a des techniques de compensation, des techniques de préparation et de remplissage des poumons qui sont assez spéciales et il faut s'entraîner. On ne se met pas à chasser au-delà de 30 mètres comme ça aussi facilement. Ça demande de l'entraînement. Et l'entraînement, ça veut dire être capable à un moment de ne pas aller à la mer et de s'entraîner différemment, de changer son corps, de se préparer. Et de toute façon, c'est la clé, hein, la clé de la profondeur. Ce sont les qualités physiques. À partir du moment où on est bien entraîné, on pourra descendre profond et on pourra pêcher profond. Après, attraper des poissons, c'est autre chose, c'est du domaine de la chasse pure. Mais la technique de progression en profondeur, elle est incontournable. Par contre, tous les jours, c'est sûr, il faut avoir une hygiène de vie, il faut s'entraîner. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut courir 30 km par jour, manger que des légumes bouillis, mais il faut s'astreindre à une certaine hygiène de vie, à une certaine éthique sportive. Et ça demande de faire les bons choix. Donc, si on chasse en poids constant, il y a des choses qui sont incontournables. La natation, le vélo, de toute façon, il n'y a pas le choix. L'apnée dynamique, c'est très important, le travail en piscine. Ne pas croire que aller tous les jours à la mer très profond, ça nous entraîne. Au contraire, ça nous désentraîne. On va créer plein de petits problèmes, comme la destruction de globules rouges, une fatigue latente, des petits œdèmes, une fatigue qui n'est même plus latente au fur et à mesure. Donc c'est l'entraînement quotidien avec des pics de forme bien choisis qui vont faire qu'on sera vraiment prêt au moment où on a envie de réaliser son objectif. Son objectif est un véritable défi. Aller chasser sur les épaves profondes au large de Porquerolles dans le Var avec son ami Stéphane Mifsud. Ces épaves poissonneuses, bien connues des plongeurs, reposent à une profondeur extrême, ce qui limite les intrusions humaines et permettent aux poissons d'y trouver refuge sans être trop dérangés. Plonger sur ces épaves dans les meilleures conditions, c'est-à-dire de l'eau chaude et claire, peu de courant et la présence de gros poissons, ne se présente que quelques jours par an à la fin de l'été. Pour atteindre son objectif, Pierre s'est fixé un programme d'entraînement spécifique afin d'être prêt le jour J. Il commence par plonger sur les épaves dans la zone des 30 mètres pour progressivement gagner la vingtaine de mètres supplémentaires dont il aura besoin dans quelques jours pour faire un agachon bien confortablement posé sur l'épave du Grec ou du Donator. Le Robuste, qui appartenait à la Société des Travaux et Industries Maritimes, était un remorqueur immatriculé à Marseille en 1921. Il a probablement coulé pendant la Seconde Guerre mondiale dans des circonstances inconnues, à quelques centaines de mètres seulement de Golfe Juan. Il ne subsiste aujourd'hui de ce navire en bois que les superstructures métalliques. La forme de la coque est bien visible, le ponton carré est chargé de treuils et de palans. La salle des machines est toujours debout, mais la cheminée est tombée. L'hélice en fer est coincée sous la coque, vers l'arrière, tandis que d'énormes ancres gisent sur le sable. Le fond atteint 27 mètres, et le petit bâtiment le domine de 4 mètres. L'épave est très fréquentée par les palanquets de plongeurs pendant la saison estivale. Sa profondeur raisonnable la rend également accessible aux chasseurs qui peuvent tirer un barracuda en pleine eau, un chapon, un congre, ou une murène dans les structures. Comme le poisson est fréquemment dérangé, il est prompt à s'éloigner à la première alerte.
Pendant cette préparation un peu monotone, due au manque de poissons, nul doute que Pierre est tendu vers son objectif et tout excité à l'idée de pouvoir, dans quelques jours, chasser sur les épaves varoises. Un projet qui trottait dans sa tête depuis plusieurs années déjà. Jusqu'à ce jour, le 14 février dernier, où Pierre avait réuni sur la plage quelques amis pour une oursinade arrosée. Dans l'euphorie et l'allégresse de la réunion, tel un défi, rendez-vous était pris avec son ami Stéphane Mifsud. Les dates étaient arrêtées et posées sur leur planning bien rempli. Ce serait cette année ou jamais, histoire de faire monter la pression. Entre Pierre et Stéphane Mifsud, autre figure connue dans le monde de l'apnée et de la chasse sous-marine, une amitié s'est vite nouée il y a une dizaine d'années lors de leur première rencontre. On s'est rencontrés en 98 ou 99, juste après les championnats du monde en Sardaigne, je crois. C'était un chasseur sous-marin très très fort. Il ne faisait pas spécialement d'apnée, mais il avait des qualités exceptionnelles. Donc on est devenus très très vite amis. C'est un athlète complètement accompli, c'est quelqu'un qui a une force de caractère et puis qui lâche jamais rien. Chasser sur les épaves avec lui, ça m'était arrivé qu'une fois. On n'avait jamais eu l'opportunité de vraiment pêcher sur les épaves parce que c'était jamais la bonne saison, parce qu'il y avait du monde quand on arrivait, il y avait beaucoup de plongeurs bouteilles, il y avait du courant, ça s'y prêtait pas. Donc on pêchait un peu ailleurs en fait, autour des îles, profond, mais pas sur les épaves. C'est quelque chose qui traîne depuis facilement 7 ou 8 ans. Et je pense qu'il a fallu qu'on s'aguerrisse déjà d'une part, qu'on soit capable de pouvoir le faire, parce que ça nécessite un entraînement spécifique, mais que ça. Puis on s'est organisé cette année, hein. On s'est organisé pendant presque 7-8 mois. Puis ça a donné ce que ça a donné, et c'était vraiment fabuleux. Ces fameuses épaves, le grec et le donateur, reposent par une cinquantaine de mètres de fond au large des îles du Levant. Stéphane Mifsud en a fait son jardin secret. Un lieu plein de promesses auquel il pense peut-être durant les minutes interminables de sa tentative de record du monde d'apnée statique. De tous les apnéistes que je connais, c'est celui qui s'entraîne le plus, donc à un moment donné, ça paye. Hein. Et vers 7-8 minutes, je me suis remobilisé et j'ai écouté ce que m'a dit David et ça a résonné dans ma tête et ça m'a permis d'aller ouvrir des portes que j'avais jamais ouvertes encore. Quoi. La mer, c'est la liberté, d'une part, c'est le plaisir et surtout, c'est la transmission. Parce que nous, qui plongeons tous les jours, on voit tellement de belles choses, mais si on ne peut pas le raconter ou si on ne peut pas le montrer, ça devient très triste. Et je crois de transmettre et de montrer aux autres, c'est le plus grand plaisir pour moi aujourd'hui. Il part justement montrer à Pierre les épaves qu'il connaît bien. Et comme Pierre, Stéphane a commencé par la chasse avant de consacrer sa vie à l'apnée. Pour moi, c'est une passion avant tout, parce que j'ai commencé et découvert la chasse sous-marine, j'étais tout petit. J'ai grandi à l'île de La Réunion, et puis tout petit, je suivais mon père qui pratiquait ce type de chasse sous-marine, qui était déjà de la chasse sous-marine un petit peu profonde. De ce fait, j'ai de suite adhéré à ce type de chasse, et j'ai délaissé les 0-10 mètres très rapidement. Je me suis orienté vers la profondeur et essayé d'attraper non pas le plus grand nombre de poissons, mais des poissons le plus profond possible. C'est ce qui me plaît. Allier apnée et chasse sous-marine sont à mon avis vraiment le plaisir ultime en ce qui me concerne. Ces deux épaves sont espacées à 200 mètres l'une de l'autre, donc elles sont sur la même profondeur, environ entre 50 mètres, 51 mètres au plus profond. Et en fait, elles sont assez similaires, bizarrement. Elles sont assez similaires sur la position, elles sont parallèles l'une à l'autre, elles sont assez similaires sur la faune et la flore qu'il y a sur l'une et l'autre.
Et je pense que les poissons naviguent d'une épave à l'autre, donc elles se ressemblent, ce qui me permet de jongler entre l'une et l'autre à chaque sortie. On a le loisir, nous chasseurs, apnéistes, de se faire 2, 3, 4, 5 épaves dans la journée à plus de 40 mètres, alors que peu de plongeurs bouteilles ont le loisir de le faire. Le danty, c'est un poisson qui est un prédateur et il va manger, sa chaîne alimentaire, elle est très très vaste. Il peut manger de l'alevin jusqu'à des congénères qui sont plus petits que lui, hein, comme le mérou par exemple. Donc c'est un abri qui est fabuleux, il peut se réfugier, il peut chasser et normalement il n'est pas embêté à 40 mètres. Hein. Première coulée d'observation pour Pierre, qui découvre l'épave dans toute sa splendeur. Stéphane assure la sécurité de Pierre depuis la surface, prêt à intervenir en cas de problème. Dès qu'il a repris son souffle, Pierre raconte à Stéphane ce qu'il a vu au fond. Il y a des grosses dorades. Voilà. Non, j'ai tiré en fait à gauche, mais je suis pas aussi tout en bas en fait. J'étais dans l'infrastructure, j'étais derrière Jérôme. Grâce à ces précieuses indications, Stéphane peut visualiser la scène et localiser la partie de l'épave près de laquelle se tient le banc des dorades. Il entame sa première descente. Le poisson est abondant sur toutes les parties de l'épave. Un banc de sar de plusieurs centaines d'individus masque le géant d'acier. C'est bon signe. Stéphane a repéré les dorades sur l'avant. Il glisse sur les tôles pour se mettre à leur portée, aussi discrètement que possible, avant de décocher sa flèche. Cette chasse profonde exige des conditions de mer parfaites, et aujourd'hui, elles sont réunies. La visibilité avoisine les 40 mètres. Le courant est faible, et l'eau est à la même température jusqu'au fond. En Méditerranée, le vent et le courant peuvent se lever en quelques minutes. Chasser profond, au-delà de 30 mètres, devient alors beaucoup plus dur, plus compliqué et plus dangereux. La préparation respiratoire en surface est contrariée parce qu'il faut se maintenir à l'aplomb de l'épave. La coulée rectiligne devient plus aléatoire, le point de chute moins précis, et au final, cette dépense d'énergie et de stress pour lutter contre les éléments réduit la durée de l'apnée. Stéphane ne chasse sur ses épaves que lorsque toutes les bonnes conditions sont réunies. Bah déjà, c'est la période, il faut que l'eau soit chaude, parce que les poissons, il n'y en a pas pendant les périodes d'eau froide. Mais ensuite, le courant, évidemment. Le courant, c'est des endroits qui sont très, très exposés au courant. Du coup, on peut se retrouver avec plusieurs nœuds de courant, donc impossibilité de descendre.
Et ensuite, le vent également, parce qu'effectivement, les vagues se creusent assez rapidement à cet endroit. Voilà. Et le tout, et ben, il faut avoir tout ça réuni, plus une bonne condition physique, parce que ça se retrouve assez profond, quoi. C'est la première chose qu'on voit en descendant sur, sur l'épave. Il y a un halo de petits poissons. Alors, ça commence par les bogues, les mandoles, les castagnoles, qui sont aussi nombreuses, les petits poissons noirs avec la queue en V. Et puis, on retrouve aussi des antias, un poisson qui est un peu typique à la Méditerranée, un poisson orange un petit peu avec une queue un petit peu longue. Oui, il y a vraiment beaucoup de petits, ben, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gros, quoi. Ben ceci dit, là, ça paraît paisible quand on y descend, mais c'est constamment un cirque où les petits sont tout le temps coursés par les gros. Alors ils s'abritent dans les cales, mais dans les cales, il y a aussi les mérous qui sont là pour les manger. Donc la vie est difficile dans ces épaves. Les poissons que l'on retrouve sont effectivement ceux que l'on peut retrouver au bord, hormis les pagres qui sont des poissons qui restent quand même dans des profondeurs importantes et qu'on retrouve justement sur ces épaves. Des poissons qui naviguent plutôt entre 50 mètres et 150 mètres de fond. Ensuite, il y a des dentis qu'on retrouve dans peu d'eau, mais c'est vrai qu'à cet endroit, il n'y a pas de petits dentis. Il y a vraiment des très gros, donc des poissons de très grosse taille. Quelques dorades royales, des sars communs, et également les grands bancs de sars vérades que nous avons bu. Des cantars, appelés le cantre, la dorade grise, qui a en quantité des barracudas, enfin dit des bécunes pour ici. Voilà, donc il y a un peu tout ce qu'on retrouve au bord, mais en concentration assez importante. Cette épave qui est posée sur le sable fait qu'il y a un biotope important qui s'y agglutine et ça fait un microcosme. Et du coup, on a tous les poissons du début de la chaîne alimentaire jusqu'à la fin, puisqu'il n'est pas rare non plus de voir passer une grosse liche ou même un thon qui peut passer sur les épaves. Pour cette deuxième journée, la météo semble tout aussi favorable que la veille. Notre destination sera l'épave du Grec. Après avoir vérifié l'état du matériel, Pierre et Stéphane rassemblent tout sur le semi-rigide. L'objectif du jour est de prendre un ou deux gros denti pour inviter quelques amis au dîner. Le docteur Sylvain Renard, qui se charge de la surveillance médicale de Stéphane pendant ses préparations au record d'apnée, nous accompagne. Pas de bateaux de plongeurs à proximité. Plutôt rare, tant ces épaves attirent les plongeurs des quatre coins de la France et avec tous les clubs locaux qui les desservent quotidiennement. L'excitation à bord monte d'un cran parce que ce matin, il se pourrait bien que nous soyons les premiers à plonger sur l'épave encore endormie. Toutes les rencontres sont possibles parce que les gros prédateurs n'ont peut-être pas encore déserté les lieux. À 51 mètres plus bas, les dentis sont bien au rendez-vous. Le caméraman sous-marin s'installe pendant que les deux apnéistes se préparent quelques minutes en surface pour une première coulée. Chaque apnée profonde se déroule selon un protocole bien établi. Aussi bien Pierre que Stéphane sont rompus à ce mode opératoire. On pourrait penser qu'avec de telles capacités, ils pourraient s'en dispenser. Bien au contraire. En fait, sur les épaves, tout est assez calculé. Comme il y a des grandes profondeurs, entre 40 et 50 mètres, voire plus, 55 mètres, 60 mètres sur certaines épaves, eh bien on se doit, un petit peu à l'image d'un plongeur bouteille qui va faire sa descente et qui doit calculer tout ce qu'il doit faire, les temps qu'il va rester au fond, etc. Nous, c'est un petit peu la même manière. De ce fait, je dois calculer l'endroit où je vais descendre par rapport au courant et éventuellement l'endroit où je peux rencontrer les poissons parce qu'au fond, je ne vais pas rester éternellement. Pour les grosses apnées, c'est 1 minute à 1 minute 30 sur le pont, ce qui est déjà conséquent, mais on ne peut pas se permettre de perdre trop de temps. À partir de là, si on a mis en place ce protocole au fond, eh bien, fatalement, il va arriver les poissons qui vont avec ce protocole. Denti, pagre, dorade, liche éventuellement, mais c'est les rares, on va pas trouver vraiment d'autres poissons. Surtout que sur les épaves, t'as pas le droit à 10 tirs, hein. Tu tires une fois ou deux fois et après c'est fini. Les poissons,
ont vite compris la musique et ils ont une plus grosse apnée que nous, donc ils s'éloignent un petit peu et on se retrouve tout seul en bas. Donc on a le droit à un tir et il faut faire le bon, quoi. Un peu peureux là, ils étaient plutôt dans le bleu au-delà de l'épave, donc il a fallu que je me laisse glisser dans le bleu pour aller chercher. Ils ne sont pas dans l'épave parce qu'on leur a fait peur un petit peu. Ça fait sur 42 mètres. Je suis sur l'épave, il est dans le bleu. Je l'appelle, il approche un petit peu, mais pas à portée. Et carrément, je suis allé vers lui dans le bleu. Et là, je suis parti dans le bleu, et j'ai tendu le bras, et quand j'étais à portée, j'ai tiré d'assez loin, mais en étant sûr quand même. Mais si tu veux, ils étaient pas comme d'habitude, ou est-ce qu'ils sortent du sale. Là, ils étaient carrément à l'abri, quoi. À l'abri. Et ils chassaient pas. Enfin, moi, ça a éclaté 2-3 fois devant, mais ils ont dû être dérangés par les plongeurs avant aussi. En général, ils deviennent nerveux et restent à l'écart jusqu'à ce que le calme soit revenu après le passage d'une palanquée. Ils n'ont pas le même comportement de recul avec les apnéistes. En revanche, ils restent très très méfiants dès qu'une arbalète se pointe. C'est une chasse qui est complètement différente par rapport à chasser dans le Madréport ou la Posidonie ou dans moins de fond, hein, parce que là on est à plus de 40 mètres de profondeur. Les gros dentis, c'est ceux qui restent en retrait. Ils vont d'abord envoyer les petits pour voir ce qui se passe. Sur les épaves, on a quand même la chance d'avoir des dentis qui sont déjà très gros, hein. Ça fait un moment qu'ils sont là. Donc ceux-là, ils font entre 4,2 kg, 4,8 kg à peu près. Et ils viennent assez vite, donc il faut tomber au bon endroit, arriver à les intéresser et avoir la chance qu'ils viennent à portée de tir, parce que plus on est profond, moins les sandos ont de puissance, moins on peut tirer de loin, et surtout le temps est compté, donc on ne peut pas se permettre de prendre le risque de faire un tir qui n'est pas juste, qui n'est pas propre. Il faut éviter que le poisson aille se cacher ou se réfugier dans une cale ou quoi, parce que là on n'arrivera pas à le remonter, ou alors c'est l'enfer, il va falloir faire plusieurs descentes pour le récupérer. Donc il faut être vraiment très très précis, c'est vraiment une pêche de chasseur aguerri. Moi, je pense que sur l'attitude et sur la manière de nager, sur la silhouette en elle-même, l'arbalète qu'on a dans les mains, c'est pour ça qu'on essaie de la camoufler aussi le long du corps pour qu'elle soit un peu moins visible. Le poisson a très vite compris, a très vite fait la différence entre un chasseur et un apnéiste. Mais essayer d'aborder le poisson d'une manière différente, en essayant de descendre, de se cacher et d'arriver le plus lentement possible en passant sous des cales, tout ça, on arrive à un moment donné à surprendre le poisson, à faire partie peut-être un peu du milieu en faisant des apnées de 2, 3, des fois 4 minutes sur ces profondeurs. Maintenant, c'est surtout effectivement l'attitude de prédateur qui va faire que le poisson va avoir peur. Donc en arrivant avec le courant dans le dos, ça me permet de fondre comme une feuille morte sur le poisson et j'aurai une approche beaucoup plus discrète. Voilà, c'est tous des petits paramètres qui, mis bout à bout, fait qu'on arrive à sortir un poisson ou pas. Parce que sur ces épaves, il ne suffit pas d'y descendre, il suffit d'y pêcher, il faut y pêcher encore. Descendre à 40 mètres, quelques apnéistes, chasseurs peuvent le faire. Mais ensuite, rentrer dans des cales, jongler avec le courant, pêcher à ces profondeurs, c'est encore autre chose. C'est Pierre qui a tiré un poisson, là? Non, c'est moi qui ai tiré une petite dorade. Ah, super. Avec le fusil à Pierre, on va s'y marcher. Est-ce qu'on descend en poids constant ou est-ce qu'on descend à la largable? Donc il y a des gens qui vont préférer descendre à la largable. Ça pose un problème principal, c'est de la remonter. On a une descente qui est très rectiligne, on ne peut pas vraiment choisir où est-ce qu'on va.
Il y a une manutention qui est assez lourde. Le poids constant, ça reste quand même la façon la plus prépondérante pour pouvoir descendre. On décide exactement où on va. Si à un moment on doit changer de cap, ben on change de cap. Par contre, au niveau du rendement et de la dépense énergétique, c'est très très important. Après, généralement, le courant au fond, il n'est pas le même qu'en surface, suivant où est-ce qu'on atterrit par rapport à l'épave, si on est plutôt sur la proue, sur la poupe, si le courant il vient de face. Donc il va falloir jouer un peu avec ça. Et le danger, c'est de ne pas commencer à... Enfin, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est essayer de remonter le courant au fond. Si on remonte le courant au fond, c'est mort. Il faut avoir la chance de tomber au bon endroit et d'être dans le sens où les poissons vont ou vont revenir. Évidemment, de grosses différences entre Monsieur Tout-le-Monde qui va pratiquer de l'apnée en loisir et puis Stéphane Yves-Sud qu'il faut considérer comme un sportif de très haut niveau. Donc Stéphane Yves-Sud a réussi à battre un record de 11 minutes 35 en apnée. Et bien ça ne se fait pas tout seul évidemment, il y a un entraînement très spécifique et très intense qu'il a pratiqué pendant des mois avant ce record. Et tout le jeu va consister à développer certains réflexes au niveau de son corps, des réflexes physiologiques qui vont faire qu'il va mieux utiliser l'oxygène et qui va lui permettre ensuite de travailler sans oxygène. L'entraînement va agir sur plusieurs zones du corps, à commencer bien sûr par le poumon. Déjà à la base, Stéphane a une capacité pulmonaire plus importante que, le commun des mortels, c'est-à-dire que il fait ce qu'on appelle, son poumon fait 8 litres d'eau de capacité, alors que normalement on a une capacité de 5 ou 6 litres. Donc déjà au départ, il arrive à prendre plus d'air que n'importe qui. Mais surtout, grâce à son entraînement, il arrive à développer une élasticité de son thorax qui lui permet de rentrer beaucoup plus d'air que n'importe qui. Quelqu'un va inspirer, il va peut-être arriver justement à ces 8 litres de base de Stéphane, pour les meilleurs à 9 litres. Ben Stéphane va arriver à plus de 11 litres, rien qu'en travaillant sa capacité pulmonaire. Et ça, c'est déjà un atout très important pour lui, parce qu'il va partir comme un véhicule, il va partir avec beaucoup plus de carburant que n'importe qui. Concrètement, ça se travaille par toutes les attaches qu'on a au niveau des côtes, qu'elles soient sur la face sternale en avant antérieure, ou alors qu'elles soient sur la face postérieure au niveau dorsal. Donc ben, ça se travaille par déjà un assouplissement articulation par articulation, c'est-à-dire un travail d'étirement qu'on fait ensemble, un travail que Steph fait au niveau de la préparation de cette cage thoracique, c'est-à-dire une constante mobilité de cette cage thoracique à chaque fois qu'il fait une apnée, une bonne préparation. Donc ça, c'est la partie articulaire. Donc comme on pourrait gagner, je dirais, chez les danseurs ou les danseuses en souplesse sur une articulation, ben, ça se travaille de la même manière, sauf que ce ne sont pas les mêmes articulations qu'on va travailler. Hein, c'est les articulations ici qu'on a sternocostales qui sont en avant, donc qui sont excessivement souples. Le cartilage, comme on voit chez Steph, est excessivement souple. Et derrière, donc ça, c'est les costo-vertébrales qui sont derrière, qui vont être moins souples parce que c'est plus protégé comme zone. Mais par contre, on va toujours garder cette capacité de déformabilité. Ça, ça se travaille par de l'étirement, par la mobilisation simple au niveau de ces articulations-là. On utilise du matériel qui est assez pointu en termes de combinaison. On va utiliser des combinaisons qui sont très chaudes et très peu épaisses. Donc on va préférer du 4 mm en haut et du 3 mm en bas. Au détriment de la chaleur, c'est vrai, mais moins on flotte, mieux c'est. Au niveau des palmes, il faut trouver le bon compromis entre des palmes qui ont une nervosité très importante, donc on va préférer le carbone à toutes les autres matières, qui sont très nerveuses mais qui restent quand même assez souples. Parce que le problème, c'est quand on doit s'arracher du fond, si on dépense énormément d'énergie, on va être complètement brûlé pour retourner à la surface. Donc généralement, j'utilise des palmes qui sont assez souples dans les premières duretés. Je préfère mettre un peu plus de temps à descendre, jouer plutôt sur la glisse et par contre faire moins d'efforts pour remonter. Plus on chasse profond, plus il va falloir un fusil qui est bien équilibré. Donc on va préférer plutôt de l'aluminium ou du carbone, voire du bois. Une arbalète plutôt longue avec des sandos très 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 puissants. Plus on est profond, moins les sandos ont de la patate. Donc passer 35 mètres, forcément, il faut du répondant. Plus le poisson est gros, de toute façon, plus je vais utiliser un fusil généralement avec un double sando, plutôt du carbone. Papa, il est là.
Odati, là. Alors tu vois, ça c'est des bébés varois. Voilà. Moi chez moi, ça c'est les grandes perches. Chez moi, c'est les plus gros dattis. Si on les femme, on les tire pas. Hein. Hein. Chez moi, ça, c'est les plus gros. Voilà, mais ici aussi, là. Hein. Mon poisson. Mon poisson. Ben tant pis, t'as pas envie de travail, quoi. Ça fait, il fait quelque chose. Oh, il est lourd. Il doit faire ses 4,5, il doit faire sans problème. Je t'avais dit 5 de la surface. Là, je t'ai un peu trop. Il faut être assez fin dans son approche. En fait, on l'approche pas, c'est lui qui... Il faut intriguer sa curiosité, il faut se cacher, il faut se montrer. Et une fois qu'on s'est montré, il faut qu'on disparaisse pour qu'il ait envie de voir où est-ce qu'on est. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais un super poste. Un peu profond, en contrebas, donc il était obligé de venir très très près et monter pour voir. Donc, il est venu vraiment... Pourtant, hein, la flèche, elle est à peine sortie du fût qu'elle était déjà dans le nanti. Ouais. Ça reste déjà un très très beau poisson. Puis là, c'est chouette, il était tout seul. Il n'y avait pas de bande, tu peux focaliser que sur lui, il vient propre. C'est intéressant. On va pouvoir manger. Là, il va falloir inviter des gens. Hein. Lorsqu'on n'est pas très profond, dans la zone des 20-30 mètres, on a exactement les mêmes phénomènes que si on faisait de l'apnée statique en surface, c'est-à-dire des spasmes, une envie de respirer latente qui va venir en s'intensifiant petit à petit. Et ces spasmes vont déclencher vraiment l'envie de respirer. Donc on décide de remonter. En très grande profondeur, la pression partielle d'oxygène est très très importante et on ne ressent pas ces spasmes. Et si on les attend et qu'on arrive aux spasmes très profonds, on risque la syncope assurément parce qu'on est beaucoup trop bas. La chasse sous-marine présente certains risques qu'il faut absolument connaître, et le premier d'entre eux, la syncope. En fait, on essaye d'expliquer à l'apnéiste que le risque le plus important se retrouve en surface. C'est-à-dire que lorsqu'il remonte en surface, il manque d'air, et la plupart du temps, quand les accidents arrivent, ça se passe entre 0, 5 et 10 mètres. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? C'est que l'apnéiste descend en profondeur, est mis sous pression, et le gaz qu'il a en lui est sous pression aussi. Et il y a dans son cerveau certaines alarmes qui sont activées lorsqu'on arrive à un taux d'oxygène et de CO2 qui commence à vraiment diminuer. Et lorsqu'il remonte en surface, cette pression diminue et il se rend compte, parfois trop tard, qu'en fait il avait de faux signaux en profondeur et qu'en surface, eh ben, il manque complètement d'air. Donc c'est un risque majeur pour les personnes qui descendent très profond comme les apnéistes Stéphane Missud ou Pierre Frolla. C'est-à-dire qu'on a de fausses informations en profondeur et en surface, on syncope à quelques mètres de l'arrivée. Et des parades, on n'en a pas beaucoup. Le seul moyen de chasser avec un minimum de risque, c'est d'avoir un coéquipier. Et le traitement, il est très simple, c'est pour ça que ce serait vraiment dommage de plonger sans coéquipier, c'est qu'on a juste besoin de sortir la tête de l'eau de son coéquipier et d'attendre qu'il ait son inspiration réflexe à l'air. Mais si on plonge seul, eh bien, cette inspiration réflexe, on l'aura sous l'eau et on va se noyer. Les indicateurs d'alerte que l'on a en apnée profonde, c'est le bon sens déjà d'une part, c'est cette sensation de narcose, et puis aussi on se connaît, donc on sait plus ou moins combien de temps on peut rester. On connaît sa forme physique du moment, on ne va pas comme ça de but en blanc à 50 mètres du jour au lendemain, donc on s'y habitue petit à petit. Donc on sait qu'on a 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, 1 minute 30 d'autonomie. Donc suivant la période de la saison, c'est plus ou moins combien de temps on peut rester. Donc c'est vraiment un travail d'introspection tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut rester très très alerte. Et c'est vrai que c'est au détriment de la chasse, parce que si on est en bas et qu'on pense à ces sensations, ben, on ne va pas penser à la notion de prédation. Donc c'est une espèce de mélange qui se rejoint et qui est très très intéressant. C'est du domaine vraiment du très pointu. Bon, c'est quand même des apnéistes exceptionnels, des gens qui arrivent à enchaîner pendant une heure, une dizaine d'apnées à ces profondeurs-là. Mais avec par exemple des scooters sous-marins, des locaux plongeurs, on peut y arriver. Et dans ce cas-là, on peut penser que les apnéistes profonds qui font ce type d'apnée répétitive sont en danger.
Et effectivement, les troubles qui ont été observés ressemblent à l'extrême décompression. Mais on a déjà effectivement fait de la prévention en disant qu'il faut quand même éditer des règles qui fait qu'il n'est pas conseillé, par exemple, dans la zone des 50 mètres, de faire plus de 10 apnées, 10 à 15 apnées enchaînées, disons, avec un temps de récupération qui soit inférieur à 3 minutes entre les apnées. Alors les symptômes constatés, ça ressemble effectivement à un accident de décompression d'origine centrale, c'est-à-dire que c'est des gens soit qui ont des troubles visuels, des troubles auditifs, soit qui ont associé à une très grande fatigue, soit ils ont mal à la tête, parfois ils ont des insensibilités au niveau des doigts, etc. Ça, je dirais, ça ressemble à des accidents de décompression d'origine cérébrale, donc du cerveau, avec des bulles qui sont coincées ou qui se forment au niveau du cerveau. Pour réaliser ces images exceptionnelles, nous avons plongé avec un recycleur à circuit fermé. Cet appareil respiratoire ne relâche pas de bulles dans l'eau. Les avantages sont bien sûr le silence au fond et la durée d'autonomie en plongée. Grâce à ce système, le caméraman peut approcher les poissons comme les denti sans les effrayer, tout en filmant l'action de chasse sans gêner le chasseur dans son approche. Déjà, en surface, on doit prendre des paramètres en compte. C'est l'endroit où on veut aller au fond, l'endroit où on veut se poster déjà sur le pont. Donc, on doit déjà jongler avec le courant. Donc, on doit partir en amont ou en aval de l'épave pour pouvoir tomber dessus. Déjà, c'est un calcul à faire. Une ventilation qui ressemble à celle d'un apnéiste classique qui part pour faire une grosse apnée statique, à peu près. Et puis ensuite, le canard, et on essaye de se décontracter pendant la descente. Pendant toute la descente, je dirais, on essaye d'être des apnéistes. C'est-à-dire qu'on rentre la tête, on essaye de glisser, de se profiler pour pouvoir être le plus économique possible et pouvoir descendre le plus rapidement possible. Quand on arrive assez proche de l'épave, je dirais à 10 mètres de l'épave, donc vers 30 mètres, 35 mètres, on redevient des chasseurs. L'œil se réouvre et on commence à prospecter l'épave, voir où est-ce qu'on va poser son agachon, c'est-à-dire se poster, pour éventuellement croiser un poisson ou faire venir un poisson. Hier, les poissons n'étaient pas vraiment sur l'épave, ils avaient giclé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils étaient sortis de l'épave. Et je fais un agachon comme ça sur un flanc de l'épave et je les appelle avec mes bruits de gorge, comme je vous ai montré. Et ils s'approchent doucement, doucement, doucement. Et à un moment donné, je me rends compte qu'ils n'approcheront pas plus et je décide de tendre le bras, de me tirer sur l'épave et sur un coup de palme, de réaliser le tir assez lointain, qui a fait mouche ma foi, et ça nous a permis de ramener un beau poisson, quoi. Je m'occupe pas du tout du poisson à la remontée. Je redeviens un apnéiste. Le matériel doit être bien réglé, c'est-à-dire que le moulinet dévide d'une manière vraiment sans résistance, mais pas non plus trop libre pour pas que ça fasse une pelote, c'est-à-dire un nœud, parce que l'accident peut arriver très vite. S'il y a un nœud qui se fait, ben, comme on est narcosé, on est à des profondeurs importantes, il ne faut pas avoir vouloir faire le réflexe de pouvoir retenir le poisson et vouloir le remonter en force, parce que là, on n'arriverait pas à la surface, on serait à court d'air. Du coup, le matériel doit bien régler pour que le fil se déroule jusqu'à la surface et ensuite, une fois que j'ai repris mon air, de la surface, je peux ramener mon poisson et pouvoir le travailler de la surface, quoi. Quand on appuie sur la gâchette, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait, parce que à cette profondeur, d'un loisir ou d'un amusement, ça peut vraiment devenir une galère, parce que ça peut être très dangereux. Le poisson va démarrer, il a une puissance redoutable. On ne peut pas se permettre d'avoir un fil de fusil qui vient s'emmêler dans les palmes, quoi. Du coup, le tir doit être précis, juste, et quand on déclenche le tir, on doit être sûr à 100% d'atteindre son but. Au même endroit. À peu près, ouais.
Donc le banc est resté sur place. 44 mètres. Là, c'est le tir parfait. Tu es net. Tu es net, il n'a pas bougé, rien du tout. Hein. Pareil. Tu peux le poser, là. Oh, là, on est à... On a un peu 7 kilos, là, 7 kilos. Il y a peut-être des plus gros au fond, mais bon. Bah pour ma part, c'est déjà du très gros denti. Et puis, je pense qu'il y en a d'autres à faire, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ça suffit. Il y a assez à manger, là. C'est vrai qu'à la base, je suis un chasseur sous-marin et je revendique le côté noble de la chasse avec le respect de l'environnement, le respect du poisson, attraper un poisson, le manger. En famille et communier avec des amis. Voilà, ça reste une activité très noble que je défends. En tant qu'ambassadeur de la Fondation Nicolas Hulot, je me dois d'avoir une éthique et surtout de respecter la mer. Je ne suis pas un écologiste, simplement, je suis quelqu'un qui adore la mer et qui adore en profiter. Donc de ce fait, je la respecte parce que j'ai envie de pouvoir plonger à nouveau demain dans la mer. Et pour pouvoir le faire, il ne faut pas prélever trop de poissons. Donc on va, effectivement, on a des capacités un petit peu en dehors de la moyenne. On se donne les moyens de s'entraîner. Donc on a la chance d'avoir la possibilité de pêcher plus de poissons que les autres. Et bien, on en prend un pour manger et puis basta, on s'arrête. C'est ce qu'on on a vécu un petit peu avec Pierre. On a pris deux poissons et voilà, on est rentré tranquillou. Voilà, donc je crois qu'il faut à un moment donné être assez raisonnable pour se dire, ou assez intelligent pour se dire je pêche aujourd'hui, mais j'ai envie de pêcher demain et après-demain. Donc voilà, après on te met une étiquette écologiste ou pas, mais c'est juste être en adéquation avec la nature et avec la terre. J'ai un peu l'impression que ce qu'on rencontre sur les épaves profondes balayées par le courant, à 40, 50 mètres, c'est ce qu'on rencontrait avant dans 5 et 10 mètres d'eau, il y a de ça 40 ans. Donc j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a plus de poissons qu'avant, bien au contraire. D'ailleurs, au fur et à mesure des années où on pratique la chasse sous-marine, il est de plus en plus difficile de prendre du poisson. Et d'ailleurs, notre impact, elle est complètement différente en tant que chasseur. Je pense que tous les chasseurs me rejoindront. On prend de moins en moins de poissons, aussi parce que on a appris à reconnaître les femelles des mâles, les périodes de frais, quand est-ce qu'on va prendre tel ou tel poisson. On se rend bien compte qu'il y a de moins en moins de poissons et c'est pas de l'incidence, c'est pas de la faute des chasseurs sous-marins, bien au contraire. Pascal Mathieu, président de la FCSM, militant pour une charte éthique de la chasse sous-marine, nous fait part de ses actions. Les grands thèmes de cette charte sont orientés vers le respect de la réglementation, le respect du milieu marin, le respect des poissons, le respect des autres usagers de la mer, mais aussi elle est orientée vers la sécurité des chasseurs sous-marins, car on n'oublie pas que c'est une pratique dangereuse. La chasse sous-marine est une pratique jeune. Elle s'est développée dans les années 50, à une période où la ressource était extrêmement abondante et peu farouche. Ce qui a généré, on peut le dire, des abus. Il faut dire qu'à cette époque, la préoccupation environnementale n'existait pas. Ces pratiques qui ont perduré un temps ont fait du tort à la chasse sous-marine et à son image. Aujourd'hui, prendre un beau poisson, ou ne serait-ce qu'un poisson pour le plat familial, est devenu une autre affaire. Les stages d'apnée de chasse sous-marine que proposent Pierre et Stéphane sont le lieu privilégié de transmission de ce savoir et de ses valeurs. Oui, c'est le jeu hein, aussi. Il faut savoir qu'on reste des apnéistes chasseurs. On n'est pas chasseurs. L'objectif n'est pas la prise, ce n'est pas le poisson qui est important en premier lieu. C'est la qualité de l'eau, c'est la clarté de l'eau, le courant, etc. C'est le plaisir de descendre et d'aller profiter et communier avec cette épave. C'est vrai que la cerise sur le gâteau, c'est attraper un beau poisson, mais ce n'est pas seulement ça. Mon approche à moi, c'est d'arriver à aller en apnée sur les épaves les plus profondes possibles, là où déjà les plongeurs bouteilles ne vont pas, quoi. Et je ressens des choses qui sont presque indescriptibles. Et plus l'épave est profonde, moins de temps je vais pouvoir passer dessus, et plus la jouissance va être importante. Parce que justement, c'est du domaine de l'infaisable, pratiquement. Atteindre des profondeurs de plus en plus importantes,
est une motivation qui anime presque tous les plongeurs. Une façon d'aller chercher ses limites et de se mesurer à l'autre. Elle n'est pas sans risque. Et on n'insistera jamais assez sur les règles de sécurité qu'il faut savoir s'imposer. Des règles que Pierre et Stéphane appliquent rigoureusement chaque fois qu'ils flirtent avec les épaves abyssales. Ces deux épaves, de par leur proximité avec le parc national de Port-Cros, sont des récifs artificiels particulièrement riches. Pierre et Stéphane savent que leurs intrusions doivent y rester brèves et rares pour qu'elles demeurent ce sanctuaire remarquable qui attire tant de palanquées de plongeurs venus admirer cette extraordinaire densité de poissons. À côté du développement des aires marines protégées, la création et la gestion des habitats artificiels est certainement une voie d'avenir pour un développement durable, à condition que les différents usagers, pêcheurs, plongeurs et chasseurs, arrivent à s'entendre entre eux. Ce pourrait être l'occasion d'ouvrir le débat avec les scientifiques sur ces zones protégées, sur les conséquences des restrictions et des moratoires touchant certaines espèces. Il serait temps de confronter tous les points de vue souvent contradictoires et les observations de terrain des uns et des autres pour que la mer reste cet espace de liberté ouvert à tous.